Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Moodle 3 en 2 minutes à destination des enseignants. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo comment intégrer une vidéo justement YouTube directement en embed sur votre page de cours. Alors admettons ici que je mets en ligne donc une formation et je souhaite ici dans la partie présentation du cours ou de la formation eh bien mettre une vidéo YouTube qui est actuellement donc non répertoriée mais qui est tout de même active. Pour cela, je vais me rendre ici sur YouTube et j'ai ici donc dans une playlist ici toutes les vidéos de ma formation et notamment ici une vidéo de présentation de la formation. Je vais la sélectionner et je vais ensuite simplement cliquer ici sur partager et je vais récupérer non pas le lien, même si ce serait possible, mais je vais récupérer pour l'exemple ici le code embed me permettant d'intégrer donc cette vidéo directement en HTML. Alors je copie ce code et je vais retourner donc sur ma plateforme Moodle. Donc j'ai deux solutions pour afficher directement la vidéo sur la page d'accueil de l'espace de cours, soit via ce qu'on appelle une étiquette, ou soit via la section, via les différentes sections en les éditant. Ici, je vais passer directement via donc une étiquette. Pour cela, j'active le mode édition et je vais ajouter donc une étiquette. Concernant le contenu de l'étiquette, ici, je vais cliquer sur le bouton pour afficher plus d'options et je vais passer ici en mode HTML. Je colle maintenant le code que j'ai copié précédemment et je clique ici sur enregistrer et revenir au cours. Voilà, donc ma vidéo s'intègre bien. Je pourrais d'ailleurs tout à fait également la centrer. Pour cela, je vais simplement retourner dans le paramétrage de mon étiquette. Ici, je vais simplement ici cliquer sur le bouton centrer. Voilà qui est fait. Je vais désactiver maintenant le mode édition pour voir le résultat. Et comme je le constate, ma vidéo donc est bien intégrée. Je peux donc directement la jouer depuis ma page d'accueil. Bonjour et bienvenue dans... Un petit détail cependant, lorsque je vais stopper donc la vidéo, ou bien que je vais arriver à la fin de ma vidéo, eh bien, j'aurai ici par défaut avec YouTube des recommandations. Nous verrons qu'il est possible, en intégrant cette fois une vidéo via un lien, eh bien, de ne pas avoir ces fameuses recommandations. Vous savez maintenant comment intégrer une vidéo, ici en l'occurrence hébergée sur le site YouTube, via un code embed.